Je suis un petit peu fatiguée de ma journée, mais je vais quand même profiter du beau temps, voilà, comme vous voyez, pour essayer d'aller voir le coucher de soleil. J'ai 45 minutes de trajet à peu près, beaucoup de marches, donc on va essayer ça. Parce que mine de rien, je travaille et quand je rentre, je suis un peu fatiguée, donc j'ai pas très envie de sortir. Mais en même temps, j'ai envie de profiter de pas mal de choses, j'ai envie de voir plein de choses. Puis vu qu'il fait encore beau, pas trop froid, c'est l'occasion de profiter un peu. Donc il faut que je trouve la motivation au fond de moi pour bouger. Est-ce que je viens de sous-estimer ma sortie? Il y a des montées partout. C'est pas drôle du tout. J'ai sous-estimé ma sortie à 90%. Je suis en train de mourir. J'ai fait toute la rue, j'arrive au bout. Et j'ai encore plein de trucs à monter. Le coucher de soleil a intérêt d'être fantastique, mais j'ai pas l'impression, parce que là, je vous jure, je vous vois de ma vie clairement, et je suis pas du tout équipée pour là. Je savais pas qu'il fallait monter comme ça. Oh punaise. Tout le monde doit se foutre de moi là. Je suis arrivée, j'ai monté tout ça. Et maintenant je monte encore ça. J'arrive. On s'en tient que la descente est quand même beaucoup plus simple, je suppose. Alors si vous venez là, prenez l'escalier, basket, jogging, bouteille d'eau. Sinon c'est mort. Si vous faites comme moi, vous êtes cuit. J'en peux plus. En tout cas, j'ai pas fait de sport depuis 10 ans. Un petit peu quand même. La récompense est juste là. Thank you.
aussi le bonnet et l'écharpe. Ça y est, il fait froid. Je me mets au défi, d'ici un an, si je suis toujours à Montréal, de monter ces escaliers en un quart d'heure, au lieu de presque une demi-heure tout à l'heure, et en tenue de sport, et surtout sans souffler et sans agoniser. Parce que la montée a été très très rude. C'était à mourir de rire, genre vraiment, je faisais pitié, clairement. Mais franchement, la vue en vaut le détour, donc trop cool. Guess what? C'est un plat coréen. Eh bien oui, j'ai trouvé sur la route du retour un resto coréen pas cher. Et là j'ai un plat pour 13$. Ça me fera certainement deux repas. Je me rends à l'esplanade du Stade Olympique puisque ce soir c'est les premiers vendredis, c'est le dernier. C'est un rassemblement de food truck, donc de street food. On va voir ce que ça donne. C'est immense. Moi c'est tout délicieux, j'avoue que c'est comme galop. Premier niveau comme un bon galop. Moi j'écris, je prends des t-shirts. On arrive au temps, c'est des coups, c'est quoi qu'elle est tout. On prend pas semblant qu'on ne voit les gens assez des coups. Ceux-là qui se prennent pour des jeunes hommes. La bonne est épuisant des jeunes hommes.